Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Et ça, aujourd'hui, je n'en doute pas. Hier, je me baladais en ville et j'ai vu l'affiche, un abribus, du Food Truck Festival. Un Food Truck Festival à Bordeaux. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on aille faire un tour. Du coup, je suis avec Marie. Salut. Une petite histoire de Food Truck, je pense que ça te plaît. Absolument. Voilà, de toute façon, ça ne peut pas nous décevoir. Alors, on est juste devant, on fait comme d'habitude, on vous emmène, on se retrouve à l'intérieur. A de suite. Nous venons d'arriver et pour l'instant, alors on voit des gens qui courent et qui font du vélo, qui font du sport quoi, mais là, nous aujourd'hui, on n'est pas du tout venu pour ça. Par contre, pour manger, Marie, je crois que c'est juste là et ben voilà, bon appétit, on va voir comment ça se passe. En fait, on n'a aucune idée de comment ça se passe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va bien manger. Bon ben le principe il est tout simple, hein. Il y a des food trucks un peu partout, salés, sucrés, il y a des tables, et ben faut commander, il faut se régaler. Voilà, je crois que le concept est très simple. Alors on va faire un petit tour et ben le but ça va être d'un petit peu déguster sur tous les food trucks, mais il y en a combien? Je dirais une quinzaine, c'est pas gagné, mais on va passer un bon moment. On va commencer par un petit tour en Italie où on va déguster une piadina. Piadina, c'est ça avec l'accent? Oui, c'est ça, voilà. Piadina. Quelque chose comme ça, donc c'est une spécialité italienne qu'on peut garnir avec un petit peu ce qu'on veut, avec une pâte très légère et croustillante de ce qu'on nous a annoncé, avec du blé et de l'huile d'olive. Ça va être un régal. Je dis pas de bêtises, c'était bien non, ça c'était... Voilà, donc on découvre la piadina. Al dente, c'était vraiment très bon. Hein. Ce petit tour en Italie, on s'est franchement régalé. Et là, il y a le petit food truck Toast juste en face qui me fait un petit peu de l'œil. Je pense que je vais aller commander des petites tartines. Marie, je te laisse finir. Tu m'attends et je reviens. Pour accompagner les petites tartines de chez Toast, boulettes au fromage, voilà, qui nous arrive directement du Brésil. Je suis allé faire un petit tour. Boulettes de pain au fromage, ça s'annonce, c'est pas mal. Et dans quoi? Je dirais un petit peu que c'est l'apéro. Avec un petit peu de sauce. On pourrait croire hein, qu'on commence à caler, mais alors pas du tout. On continue à explorer les food trucks. Marie, tu tiens le coup? Le pantalon commence légèrement à se faire. Non, franchement, c'est pas mal. On continue avec un petit tour au niveau de la cuisine exotique. On a du mafé et des petits acras de morue, etc. Voilà. C'est parti, on continue, on tient bon, on explore tous les food trucks. Festival de food truck, on ne pouvait pas s'arrêter comme ça, il fallait forcément un petit burger. Il arrive du food truck West Corner, créateur de burgers 100% fait maison, il est juste là. Et voilà, après je pense que ça sera bon, on va essayer de trouver un dessert. Mais on arrive à la fin de la journée, ça commence à être difficile pour les desserts. Après ce burger, Marie, moi je suis comme toi là, c'est bon, je n'ai plus faim, mais c'est bon, là j'ai plus faim. Game. Petite place pour le sucré quand même. Voilà, allez, le petit cookie pour finir. Et puis je pense qu'on aura très très bien mangé et vraiment archi repu.
Bon, eh bien, il est 16h, nous étions en train de manger depuis 13h. On a un petit peu fait le tour de tous les food trucks et il est l'heure de rentrer, enfin, si on y arrive. On a passé une bonne journée, hein. On a oui, bien mangé, c'est franchement. Excellent. Ah oui, au passage, hein, on est retourné chez Al Dente. La boucle était bouclée. Comme ça, on a pris en dessert, enfin en deuxième un dessert. Superbe dessert. Une, je sais même plus comment on dit. Une. Mais voilà. Piantanida. Voilà, on a oublié le nom italien. Bon, c'est pas grave. C'est caramel, beurre salé, crème de coco. Et c'était vraiment très, très bon. Très, très bon. En attendant, n'oubliez pas, prenez 20 secondes pour vous abonner à la chaîne YouTube Les Apprentis Chefs. Et puis, comme d'habitude, on se donne rendez-vous. Une nouvelle recette, un nouveau blog. On se donne rendez-vous très vite. Allez, à la sieste maintenant. Hein. Ciao tout le monde. Bye bye.